constitué sous ce nom en 1997 le LAMSIN, Laboratoire de modélisation mathématique et numérique dans les sciences de l'ingénieur, est le résultat d'une succession de différentes équipes de recherche structurées à l'ENIT. Le laboratoire rassemble aujourd'hui plus de 100 chercheurs, dont une cinquantaine de doctorants. Ce laboratoire, au sein duquel une dizaine d'étudiants effectuent chaque année leur mémoire de master avant de le rejoindre éventuellement en qualité de doctorant, offre la possibilité aux chercheurs de trouver des interlocuteurs, de nouer des partenariats et de continuer à apprendre et à découvrir au travers de rencontres au plus haut niveau. Le LAMSIN a toujours ambitionné d'être un lieu dont les structures et l'organisation permettent aux chercheurs tunisiens de s'épanouir et donner le meilleur rendement possible. On célèbre aujourd'hui les 20 ans du LAMSIN. Mais au fait, constitué sous sa forme actuelle en 1999, le LAMSIN constitue l'aboutissement d'une expérience originale entamée en 1983 de mise sur pied d'un groupe de recherche de modélisation mathématique et numérique dans un pays en développement. Depuis, le développement du laboratoire a été marqué par différents événements et sous sa forme actuelle, il regroupe 6 équipes de recherche en mathématiques appliquées qui travaillent sur différentes thématiques. Ces thématiques diverses et variées sont au cœur de tous les processus de développement dont a besoin notre pays pour assurer son émergence. Un des postulats sur lequel reposait l'expérience LAMSIN est que la recherche et la formation constituent une paire indissociable et on ne peut juger des résultats de la recherche à partir du seul critère de sa rentabilité économique dans le système de production, sauf à y inclure la production du savoir et la reproduction de l'élite scientifique du pays. On note ici que le LAMSIN depuis 1999 a produit 372 publications scientifiques, encadré 72 thèses de doctorat, assuré 28 habilitations universitaires et a mis en place 105 projets de recherche. Depuis sa création, l'expérience LAMSIN a misé sur l'importance des collaborations internationales en recherche. Il ne peut y avoir en effet de recherche isolée ni de recherche appropriée selon un vocable qui a parfois été employé. La seule recherche scientifique qui vaille est celle qui se fait avec la communauté internationale, en partenariat avec elle et selon les standards admis par elle. Entre autres, le LAMSIN a vivement encouragé toutes sortes de manifestations scientifiques. Cette manière d'apprendre, d'échanger avec d'autres membres de la communauté scientifique et de partager son savoir a été l'un des piliers du LAMSIN. Le LAMSIN a adopté cette stratégie qui repose sur l'organisation de conférences internationales et de colloques et rencontres locales de façon continue et régulière. Colloques, journées scientifiques et conférences nationales et internationales sont régulièrement proposées aux LAMSINois autour des différents axes de recherche en mathématiques appliquées. Soutenir et développer les échanges scientifiques entre chercheurs a été, tout au long de l'histoire du LAMSIN, l'un de ses principaux objectifs. Chers collègues et amis, chers invités, nous avons l'immense plaisir de survoler par ces quelques photos et souvenirs les archives des manifestations scientifiques organisées et soutenues par le LAMSIN au cours de ces 20 dernières années. PICOF, problème inverse, contrôle et optimisation de forme
est une manifestation scientifique internationale réunissant aussi bien des chercheurs et scientifiques confirmés qu'un certain nombre de jeunes chercheurs travaillant sur des sujets mathématiques et numériques provenant de problèmes d'importance stratégique dans les applications industrielles. Cette manifestation a été pleinement engagée dans le développement conjoint des mathématiques appliquées sur le pourtour du bassin. La première édition du PIC-OFF a été tenue à Carthage en avril 1998 au palais de Beit el-Hikma qui abrite le siège de l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts. Cette manifestation scientifique a été organisée par le LAMSIN avec l'INIT, l'INRIA et l'Université technologique de Compiègne. PIC-OFF 98 avait réuni plus de 80 participants, au nombre desquels une trentaine de conférenciers invités venus de plusieurs pays européens, du Maghreb et des États-Unis. Les auditeurs étaient pour leur part aussi bien des chercheurs que des ingénieurs. Ce colloque avait en outre permis à l'équipe d'organisation locale d'établir de nouveaux liens avec des équipes de renommée internationale et d'amorcer avec celles-ci des collaborations durables. Le succès rencontré par cette première édition a amené ses promoteurs à envisager la tenue d'une seconde qui s'est déroulée en avril 2002 dans ce même magnifique palais de Beit el-Hikma. PIC-OFF 2002 consacrera la périodicité de cette manifestation qui ambitionne désormais de constituer un rendez-vous majeur sur le sujet dans l'espace euro-méditerranéen. L'une des fonctions importantes de PIC-OFF est la formation des jeunes chercheurs. Les conférenciers sont certes invités en regard de l'importance de leur contribution récente aux thématiques du colloque, mais les organisateurs ont eu à cœur qu'une place y soit faite, au moins en qualité d'auditeur, aux jeunes chercheurs entamant leur travail dans la discipline. Six éditions ont succédé à PIC-OFF 98 et PIC-OFF 2002. On cite PIC-OFF 2006 qui s'est déroulé à Nice, PIC-OFF 2008 qui s'est déroulé à Marrakech, PIC-OFF 2010 à Carthagène, PIC-OFF 2012 à Paris. PIC-OFF 2014 fut organisé par le professeur Belhassan Dahmen et fut organisé à Hammamet. Et enfin, PIC-OFF 2016 à Autran. Suite à la réussite des éditions PIC-OFF 98 et PIC-OFF 2002, titulaire de la chaire mathématiques et développement, professeur Mohamed Jawa proposa en 2003 d'apporter une diversité thématique que les exigences de la spécialisation dans les formations existantes interdisent. La chaire UNESCO Mathématiques et Développement procure par le biais de semestres thématiques l'indispensable diversité qui vient enrichir une activité mathématique appliquée de niveau international développée depuis une dizaine d'années au sein du LAMSIN tout en prenant appui sur elle pour élargir les horizons thématiques et géographiques. À long terme, l'objectif central de la chaire mathématiques et développement est que les pays de la zone concernée se réapproprient les mathématiques dans leur intégrité, c'est-à-dire aussi bien comme outil de formation que de développement. Créée sous l'égide de l'Université de Tunis El Manar et du CIMPA, la chaire UNESCO Mathématiques et Développement a adopté un mode de fonctionnement original. Quatre semestres thématiques ont été organisés durant le premier biennium 2003-2005. Chacun d'entre eux s'est situé au niveau d'un enseignement de master ou de DEA, concentrant autour de 150 heures de cours sur une période d'une douzaine à une quinzaine de semaines. Chaque semestre est coordonné par un expert international sur le thème traité
qu'assiste un enseignant-chercheur local, ce qui constitue une excellente technique de transfert. Seul, le premier semestre n'a pas suivi cette règle, son coordinateur ayant effectué un séjour sabbatique d'une année à Tunis en 2003-2004, il s'agit du professeur Bernard Philippe qui organisa le premier semestre de la chaire mathématiques et développement durant la période février-avril 2004 sur le thème « Calcul numérique intensif ». À ce premier semestre, succéda le semestre thématique Histoire des mathématiques coordonné par le professeur Rochdi Rachet. Le semestre 3 fut coordonné par le professeur Philippe Destuinder sur le traitement d'image et du signal. Et le semestre 4 porta sur la modélisation mathématique en finance et fut coordonné par le professeur Liesse Jouini. Le second biennium, 2006-2007, de fonctionnement de la chaire UNESCO, a adopté un nouveau format lui permettant de capitaliser les acquis du premier biennium tout en les développant. En effet, un semestre introduisant une nouvelle thématique et des workshops de follow-up assurant le suivi des semestres thématiques de la première période ont été proposés. Le semestre thématique a porté sur les mathématiques pour les sciences du vivant et fut coordonné par le professeur Claude Lobry. Le premier workshop, portant sur le calcul numérique intensif, a réuni un certain nombre des auditeurs du premier semestre de la chaire UNESCO. Le second workshop, RIMA 2006, de suivi du semestre 3, qui a concerné le traitement de signal et de l'image, a constitué le premier d'une série de workshops RIMA, rencontres en imagerie mathématique. RIMA 2007 s'est tenu à Toulouse en coordination avec le laboratoire MIP de l'université Paul Sabatier et RIMA 2009 s'est tenu à l'ENIT. Un workshop sur l'histoire des mathématiques a également été proposé en septembre 2007, dont l'objectif était de réunir les auditeurs du second semestre de la chaire ainsi qu'un certain nombre de chercheurs nouvellement venus à cette thématique. On ne peut clôturer ce volet sans donner quelques chiffres d'un récapitulatif fructueux de cette chaire UNESCO Mathématiques et Développement à la suite des 5 semestres thématiques et des 3 workshops programmés, avec un total de 112 conférenciers, dont 30 conférenciers sud, 350 auditeurs dans 111 étrangers, 1394 semaines auditeurs pour un total de 594 semaines auditeurs étrangers avec 28 pays participants et 1005 heures de cours assurés. TamTam, tendance dans les applications mathématiques en Tunisie, Algérie et Maroc, est un colloque maghrébin organisé tous les 2 ans, tour à tour, en Tunisie, en Algérie et au Maroc. La première édition a été organisée à Rabat en 2003. Le LAMSIN a assuré l'organisation de la seconde édition, TamTam 2005, qui s'est déroulée à l'ENIT, et la 5e édition, TamTam 2011, qui s'est déroulée à Sousse, et assurera la 8e édition TamTam 2017, ici même à Hammamet. Ce colloque, prioritairement tourné vers les jeunes chercheurs, auxquels il se propose d'offrir l'occasion de présenter leurs premiers travaux, conjugue la rigueur de la sélection des communications à la convivialité du cadre et à un souci prioritaire de formation. Chaque édition est autant que possible précédée d'un tutoriel sur l'une des grandes thématiques actuelles des mathématiques appliquées. TamTam entend de cette manière faciliter l'insertion de nos jeunes chercheurs dans la grande communauté mathématique internationale. À côté des communications de jeunes chercheurs, chaque édition fait place à un certain nombre de conférences plénières traitant de travaux actuels de pointe.
Au total, les éditions Tam Tam 2005 et 2011 ont réuni 18 conférences plénières, 86 communications et 34 posters. L'édition Tam Tam 2017 prévoit 7 conférenciers invités, une cinquantaine de communications et une douzaine de mini-symposia. Mis à part les conférences internationales régulières auxquelles le LAMSIN s'est abonné, le nom de deux majestueuses conférences internationales se rajoute à l'agenda LAMSIN. Il s'agit de ICOSA Home 2012 et Waves 2013. ICOSA Home est une série de conférences dont l'objectif est de rassembler des chercheurs qui s'intéressent aux aspects théoriques, numériques et appliquer des méthodes d'ordre élevé et des méthodes spectrales pour la solution des équations différentielles. La première édition fut organisée en 1989 à Como en Italie. Cette série de conférences internationales ont été ensuite tenues tous les 3 ans dans différents pays d'Europe, d'Asie et d'Amérique. Depuis 2012, 8e édition, qui fut organisée à Tunis par le LAMSIN, ICOSA Home a été tenue tous les 2 ans et continue sur ce rythme. L'édition 2012, organisée par le LAMSIN, fut un énorme succès malgré toutes les difficultés liées au climat qu'a traversé la Tunisie durant cette période. ICOSA Home 2012 a réuni plus de 220 participants. 9 conférences plénières ont été présentées, 7 mini-symposia ont été programmés et un total de 99 communications orales ont été données. Ce succès repose également sur l'appui et la contribution de plusieurs partenaires au LAMSIN, notamment en tant que membre du comité d'organisation, du comité scientifique et toute autre contribution soit-elle. Toujours sous ce même climat qu'a traversé la Tunisie, le LAMSIN se lança dans un autre défi qu'était l'organisation de Waves 2013, la 11e conférence internationale sur les aspects mathématiques et numériques de propagation d'ondes. Cette série de conférences est l'un des principaux sites de diffusion des dernières avancées dans la modélisation théorique et numérique des phénomènes ondulatoires, répondant aux problèmes émergents de la science et de la technologie. La première édition Waves fut organisée à Strasbourg en France en 1991. Ensuite, tous les 2 ans, dans un pays différent, passant par les États-Unis, la Finlande, la Grande-Bretagne, l'Espagne, le Canada et bien d'autres. Waves 2017 se tiendra d'ailleurs du 15 au 17 mai à l'Université de Minnesota aux États-Unis. Waves 2013, organisée par le LAMSIN, avec la collaboration de l'INRIA, de l'InstaParisTech et évidemment de l'ENIT, a enregistré un grand succès avec 250 participants, 8 conférences plénières, 6 mini-symposia et un total de 153 communications orales. Carrie, colloque africain sur la recherche en informatique est le fruit d'une coopération internationale rassemblant universités africaines, centres de recherche français et organismes internationaux. Il a tenu sa 13e édition, CARI 2016, à Hammamet en Tunisie, en conjonction avec une école SIMPA consacrée aux mathématiques de la biologie. Organisée tous les 2 ans en Afrique, l'édition CARI 2016 a été confié à l'École nationale d'ingénieurs de Tunis sous la coordination du professeur Nabil Gmati et a bénéficié d'un large soutien de plusieurs institutions universitaires locales et aussi de l'Institut français de Tunisie. Ce colloque est co-organisé par l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, l'Institut de recherche pour le développement, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, le Centre international des mathématiques pures et appliquées et l'Agence universitaire de la francophonie.
le CARI est devenu un lieu privilégié de rencontres et d'échanges de chercheurs et décideurs africains et internationaux de haut niveau dans les domaines de l'informatique et des mathématiques appliquées. Le programme scientifique, qui reflète la richesse et la diversité de la recherche menée sur le continent africain, met un accent particulier sur les travaux susceptibles de contribuer au développement technologique, à la connaissance de l'environnement et à la gestion des ressources naturelles. Le programme de CARI 2016, couplé à une école de recherche du CIMPA sur les mathématiques de la biologie, s'est décliné en 51 communications scientifiques et des conférences invitées présentées par des spécialistes de renommée internationale. Ce colloque est un cadre dynamique de coopération visant de rompre l'isolement et renforcer la communauté scientifique africaine. Ce survol est loin d'être exhaustif, mais donne une idée de la diversité et de l'ampleur de l'engagement du LAMSIN dans l'organisation de manifestations scientifiques. Le LAMSIN a en effet contribué à l'organisation de plusieurs autres manifestations scientifiques, telles que le 10e colloque tuniso-français d'équations en dérivées partielles, la conférence du laboratoire euro-maghrébin des mathématiques et de ses interactions, la 6e école CREMA, l'école de recherche SIMPA, mathématiques pour la biologie en 2015, le colloquium de modélisation en dynamique des populations, l'euro-méditerranéen 3+3 workshop 2011, mesures de risque et risque de crédit, modèle mathématique de la dynamique des populations, et évidemment, MEMO 2012, qui fut le congrès de méthode numérique et modélisation à l'occasion du 60e anniversaire du professeur Mohamed Jawa. Le LAMSIN remercie tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont contribué aux réalisations et succès de ces 20 dernières années. Une pensée particulière accompagne tous ceux et celles qui, ayant d'autres engagements professionnels, n'ont pas pu nous rejoindre aujourd'hui.